Hello, nous sommes mercredi. Bon, désolé pour ma coupe, à la base j'avais une couette, mais elle est transformée en je ne sais quoi. Donc du coup, il est 9h moins le quart. Voilà, je m'étais réveillée plus tôt, mais je me suis dit je me rendors parce que je suis quand même fatiguée et qu'il faut que je sois reposée pour la rentrée. Je m'étais dit que j'allais peut-être aller à la salle de sport, on verra parce que pour l'instant c'est pas trop la forme là le matin. Bon, je viens de faire le montage d'un vlog, donc le montage de la journée de lundi. Voilà, c'était avec Lily, donc c'est les montages que je préfère monter. Surtout celui de d'hier, il sera encore mieux vu qu'on allait dans la piscine, tout ça. Je pense qu'il sera mieux encore à monter. On verra. Déjà là, à la base, il y avait genre presque une demi-heure de vidéo. Il n'y en a plus que 18. Bon, le vlog est toujours long, mais voilà, c'est déjà moins. Et du coup, je pense que je vais me préparer pour aller à la salle. Je vous avoue que là, je suis pas trop motivée, je suis un peu fatiguée. Mais bon, ça va me réveiller un petit peu. Voilà, je pense que je vais principalement faire du cardio. Je sais pas si je vais faire une grosse séance non plus, trop de muscu. Je vais voir. Ça y est, je suis en tenue de sport. Donc là, je vais ranger mon petit déj. Et bah voilà, je vais aller à la salle. Du coup, je pense que je vais faire ma séance jambes. Ok, d'accord, je me fais assommer par ketchup. Tout va bien. Ma séance jambes et fesses, je voulais dire. Avant que le ketchup ne me tombe dessus. C'est vrai que c'est pas très bien rangé ça. On va le poser là en attendant, hein. Donc voilà, et aujourd'hui c'est le jour de mes résultats. Donc j'avais déjà compté mon nombre de points pour pouvoir passer en deuxième année. Donc voilà, mais je vais avoir le résultat de mes rattrapages. Et en fait, c'est le résultat de tout le monde, à part les troisième année, ils ont déjà leur diplôme ou pas leur diplôme d'ailleurs. Mais sinon, c'est le résultat des premières, deuxième année, tout ça. Donc il va y avoir du monde. Je demande à mon copain s'il voulait venir avec moi. Comme ça, je serai pas trop solo parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va venir. Puisqu'il y en a qui sont en vacances, donc ils vont pas forcément venir au résultat, tout ça, enfin bref. Et puis comme à manger déjà fait, hier soir on a mangé des pizzas. Voilà, j'ai pris à la pizzeria où on va. C'est vraiment tellement bon. Franchement, le gars, en plus il a un prix dans les meilleurs d'Europe, je sais pas quoi, bref. C'est Gusto et c'est tellement, tellement bon. Et oui, bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris une duo, c'est-à-dire qu'on peut prendre moitié une pizza et moitié l'autre quand tu sais pas trop décider, c'est plutôt pratique. Donc du coup j'ai pris moitié raclette. Oui, raclette, c'est très très healthy, c'est très estival aussi comme truc. Et moitié spécial pizza YOLO parce que c'est trop bon. Et du coup j'ai pas du tout fini la pizza hier, hein. Donc on va finir ça à midi avec le reste de salade parce qu'au final j'avais dit qu'on avait peut-être mangé pour la purée vu qu'il n'y en avait pas assez. Finalement, il y avait bien assez de purée. Je vais te charger le vlog que j'ai monté avec la Lilette le temps que je parte. Et puis, on va y aller. Je m'étais dit, je pars à 10h. Mais du coup, il est 10h13. En même temps, 10h, c'est l'heure à laquelle sort ma vidéo. Donc, j'ai fait un petit snap. J'ai fait les petits screens, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Je vais fermer les volets ici. Je vais mettre mes baskets. J'ai pas pris de bouteille d'eau. C'est embêtant, ça. Bon, me voilà sortie, j'ai fait environ un peu moins d'1 heure je pense, mais bien efficacement, pas trop trop de pause tout ça, je meurs de chaud. Et puis bon, là les séances, vu que je retourne depuis pas si longtemps que ça, je les fais pas non plus aussi intensives qu'avant. Puisque je n'ai pas encore retrouvé mon rythme, bref, j'avais pas de carte, donc de badge, j'avais juste en fait un papier. Et du coup j'ai demandé au gars, il m'a dit que là où je m'étais inscrite, donc à la salle en ville, ils avaient nos badges, fallait juste qu'on aille les chercher. Donc il faudra que j'aille voir, mais je sais pas trop comment c'est. Genre moi je pensais qu'il y avait juste les travaux, qu'il y avait personne. Donc vous pouvez pas retourner. Il est quelle heure? Il est presque 11h20, donc en fait je vais rentrer, faut que je me douche, que je me lave les cheveux, puisqu'à 14h c'est mes résultats et que voilà. Il faudrait que je sois prête, que je sois pas les cheveux mouillés, voilà. Et stop, je pense que je vais tourner des vidéos. Voilà, je vais peut-être profiter aussi un peu s'il y a du soleil. En fait il fait chaud. Mais il n'y a pas non plus un grand soleil quoi, il y a quelques nuages donc voilà. Mais dans la salle j'avais trop chaud, ça se voit à ma tête je pense. Donc là je vais rentrer, je pense qu'en rentrant je vais faire un montage. Le temps que ma transpiration et mon cœur se remettent en mode off quoi. Parce que là je continue de transpirer donc ça sert à rien de prendre sa douche direct après la séance. Donc voilà, on rentre à la maison. Bon me voilà rentrée, il y avait deux colis dans la boîte aux lettres. D'ailleurs ils font des travaux dans mon garage. Heureusement que je suis pas dans le garage du fond, sinon je ne sais pas comment j'aurais fait pour sortir. Franchement, et je crois même pas qu'ils ont prévenu. Hein. Parce que là, on peut plus passer si on est des garages du fond. Donc super. Je vais vous poser là. Alors, première chose, c'est un blush que j'avais pris de chez MAC. Donc extra dimension blush fard à joues. Et j'ai pris la teinte blush tone. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolée pour ma tête. J'ai vraiment très très chaud. Il a l'air super beau.
Par contre, la texture, on dirait qu'elle est un peu... on dirait pas trop que c'est de la poudre, mais bon, je vais pas mettre les sales pattes dedans. Il a l'air vraiment très très joli. Encore une fois, je trouve ça dommage de mettre un si petit truc dans un carton comme ça, mais bon. Et le deuxième... Le deuxième, c'est un nouveau rouge à lèvres de la marque Essella. Donc je vous en ai parlé plein de fois de ces rouges à lèvres que j'adore. Et là, j'ai pris la teinte Chris, qui a l'air d'être un nude. Donc il faudra que je compare avec l'autre, comment il s'appelle? Bref, l'autre nude que j'ai mis l'autre coup. Mais en tout cas, franchement, ces rouges à lèvres, je les aime trop. Et si vous voulez des rouges à lèvres liquides qui tiennent bien et qui coûtent pas cher, ceux-ci sont vraiment cool. Je sais plus s'ils marchent encore, mon code promo. Et il faut savoir un truc aussi, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Octoly, on dit « Ah mais tu dis que du positif ». En fait, Octoly, on a le droit de dire ce qu'on veut. On n'est pas payé pour présenter les produits et on peut dire du négatif ou du positif. J'ai déjà dit du négatif de certains produits. Mais généralement, quand je commande les produits sur le site Octoly, je prends des trucs que je sais qui vont me plaire ou quoi, voilà. Quelquefois je prends des trucs un peu que je sais pas du tout, que je voulais faire en crash test, mais généralement j'essaie de prendre des trucs qui vont me plaire, pas des trucs que je me dis oh, ça me sert à quoi, à rien. Bref, je vais vous pas vous tenir parce que j'ai peur de faire tomber un truc. Bon, j'ai monté un vlog, donc là je suis à jour dans les vlogs, c'est plutôt cool, j'ai fait toutes les miniatures, mais il serait peut-être temps que j'aille me doucher parce qu'il est déjà midi et nuit et que en gros faudrait que je sois prête dans une heure et quelques, un peu plus d'une heure, mais bon ça devrait aller hein. Je vais pas mettre 500 ans pour me doucher, je vais mettre à charger le vlog et voilà voilà. Sinon faut vraiment que je m'achète deux t-shirts comme ça, en fait c'est des t-shirts de chez Bershka, mais en fait ils sont hyper grands et tout, du coup j'aime bien avec un t-shirt, en plus j'ai pris en taille, je crois que j'ai pris taille, j'arrive pas à voir, mais je crois que j'ai pris taille M, du coup ils sont assez larges et du coup pour le sport, j'arrête pas de dire du coup, c'est hyper chiant. C'est hyper pratique, en plus j'aime bien faire un nœud comme ça, ça m'aère un peu parce que là un t-shirt comme ça, déjà on voit pas mon short et en plus ça tient beaucoup trop chaud. Enfin voilà, faut que j'aille m'en acheter d'autres, ils sont pas chers en plus chez Bershka ou même dans n'importe quel magasin, juste un t-shirt d'une couleur unie, moi ça me va. Je vais me doucher et on se trouve après. Bon c'est parti, j'y go, voir les résultats. En plus il faut que je prenne des photos pour des copines. Mon copain me rejoint direct là-bas en sortant du boulot. Là il est sorti, il m'a dit mais on est parti. Non. Donc je pars. J'étais censée manger avec lui mais du coup j'ai commencé à manger une ou deux parts de pizza. Si j'avais trop faim. Bon alors, je suis allée voir les résultats, je vais vous en parler un petit peu. Il y en a plusieurs qui m'ont dit sur Snap, mais tu vous avais déjà dit que tu passes en deuxième année et tout. En fait, avant de passer les rattrapages, j'avais compté mon nombre de points et j'avais déjà le nombre de points pour passer en deuxième année. Et là, c'était les résultats définitifs, donc les résultats des rattrapages et de tout en fait. Et comme je savais que j'avais déjà le nombre de points, les points en plus c'était que du bonus et c'était surtout des parcelles à ne pas rattraper l'année prochaine. Donc du coup il y en a qu'un seul que j'ai pas validé. Si vous avez suivi mes vlogs pendant les rattrapages, il y en avait un que je vous avais dit je le sens pas du tout, je pense que je l'ai loupé, bah c'était celui là, j'ai eu 8 sur 20. Super, voilà, et c'est vraiment le plus dur je trouve. Franchement j'avais eu des notes catastrophiques quand je l'avais passé avant. Donc là vraiment 8 c'est ma meilleure note depuis que j'essaie de le repasser. Bon il est au semestre 2 donc du coup ça me fait que je le... Comment, que je le rattrape en gros en mai ou juin de l'année prochaine. Donc ça me laisse encore le temps de réviser et surtout le temps de me concentrer sur mes parcelles du semestre 3, donc de la deuxième année. Donc oui je passe en deuxième année, ça je l'avais déjà dit. Mais voilà pour mes résultats, j'ai tout validé, sinon il n'y a que celui-ci. Donc pour celles qui voudraient savoir, c'est le 2-6, c'est le les processus psychopatho, voilà. Donc j'ai récupéré mes notes qui sont posées juste là, je suis plutôt contente, voilà. C'est cool, c'est cool. Voyez-vous. Et ça y est, on a dépassé les 227 000 abonnés. Voilà, ça augmente vite encore une fois. Pourtant bah j'ai pas sorti du coup de vidéo depuis lundi. Mais ma vidéo continue à avoir des j'aime et je continue à gagner des abonnés. J'en ai déjà gagné presque 200 aujourd'hui, c'est vraiment un truc de ouf. Je vais vous en parler tout le temps, vous allez en avoir trop marre. Sinon il faisait assez beau tout à l'heure et tout, et là il fait vraiment tout gris, c'est trop bizarre. Il faisait chaud, je pense qu'il va peut-être pleuvoir, enfin franchement ça s'annonce pas un super beau temps. Et c'est genre trop le temps démotivant où t'as rien envie de faire et puis la luminosité est nulle pour filmer des vidéos. Mais bon je pense quand même que je vais en filmer, en plus je m'étais maquillée et tout, donc c'était un peu pour ça là-bas, c'est pas pour aller voir mes résultats si j'avais pas de vidéo à tourner, après je me serais pas maquillée. Donc je vais regarder qu'est-ce que je vais tourner comme vidéo, tout ça. J'en ai une à tourner mais j'ai besoin de me remaquiller donc ce sera pas pour aujourd'hui. Et je voulais peut-être tourner pendant les vacances une vidéo une journée dans la peau d'une youtubeuse, sauf que c'est une vidéo qui prend extrêmement de temps.
Et que du coup je sais pas si j'aurai le temps de faire ça. Et d'ailleurs après la rentrée je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de temps pour des vidéos très très travaillées parce que ça va être pas mal de boulot. Voilà. Bon, il y a déjà un peu d'orage et le ciel est vraiment très noir. Donc bon, si je veux tourner une vidéo, ce sera pas pour tout de suite. En plus là j'avais ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud. Du coup là avec l'orage qui arrive, enfin je pense que c'est de l'orage, hein. J'ai même pas regardé la météo du coup. Et bah, y a un peu d'air frais. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai rangé un peu. Et là, je suis en train de faire des tris dans mes sacs. En fait, je vais tout vider mes sacs, tout ranger. Bien ranger tout ça dans mon bureau pour que ce soit nickel, quoi, pour la rentrée. Et que le sac que je vais prendre pour les cours soit bien rangé, quoi. Qu'il n'y ait pas un peu dans chaque sac. Parce que là, des fois, je changeais de sac. Du coup, il y a un peu des trucs dans un sac, un peu des trucs dans l'autre. Enfin, bref, c'est un peu la cata. Et je regarde en même temps le film Patient, je voulais le regarder depuis un moment, mais bon, ça. Je vais montrer à bande annonce à mon copain, et puis au final, on avait regardé un autre film. C'est pas le film qui l'intéresse le plus, je pense. Moi, ça m'intéresse, donc voilà. Je me regarde ça, et après, je me mettrai un autre truc à la télé dans le salon, bah, pour ranger un peu le salon, les cartons, les tout ça, tout ça, tout ça. Surtout qu'avec Lily qui est venue, même en 5 minutes, elle te fait du bazar. Bon, ça va, déjà, elle a repris ses affaires, mais voilà. Bref, je vais ranger. Bon bah ça y est, il pleut, c'est la tempête. Franchement, c'est la tempête, je vais vous montrer. C'est fantastique. Oups, c'est Jacques qui m'a appelé. Regardez, il y a des cadres qui viennent de tomber sur mon ordi. J'espère que tout va bien. Du coup, il y a eu un coup de vent. J'avais ouvert ici, je vais vite fermer parce que là, c'est horrible. Oh! Je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait des espèces de courants en fait. La piscine est censée être par terre, est censée être tout en bas, mais il y a tellement de vent que ça l'a remontée. Pareil, là, bah, la porte c'est carrément ouverte, hein. Du coup, j'ai pas eu le temps d'enlever ça, mais bon, c'est pas grave. Là, tout est trempé. Voilà, en 2 secondes, tout est trempé. Le truc est tombé, le coffre s'est ouvert, super. Il vient de se refermer. Bon, moi, ça va arroser mes fleurs, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Bref, j'ai pas encore vu d'éclair, mais là. C'est la tempête, c'est dommage qu'il y ait autant de vent parce que j'aime bien ouvrir quand il fait ce temps-là parce que ça fait du bien, c'est un air frais et tout, j'aime bien. Mais bon, du coup là mes cadres, j'ai entendu des trucs tomber. Donc je les remettrai tout à l'heure parce que il y a des punaises qui ont dû tomber. Il ne reste plus qu'une sur le mur. Bon, en gros ça fait 1 heure et demie que je range puisque j'ai mis le film, sauf qu'il me reste tout ça à trier, sinon tout est rangé. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait dans les sacs ou dans des boîtes que j'ai trouvé, enfin bref. J'ai un petit peu la flemme, je vous avoue, puis j'ai fait pas mal de pauses, j'ai pas arrêté de m'asseoir, de regarder les commentaires, de faire des trucs et tout. J'ai pas fait du rangement intensif pendant 1 heure et demie, hein, pas du tout. Et j'ai rouvert la fenêtre parce que là il pleut plus ni rien. Voyez-vous. Et il fait bon frais, donc là je me suis posée, ça fait trop du bien. Du coup je pense que je vais pas tourner de vidéo aujourd'hui parce que il fait pas un beau temps et tout, faut que je mette tous mes éclairages. Et je suis un peu fatiguée donc j'ai pas envie qu'on me dise ouais, tu parais blasée sur ta vidéo alors que je suis juste fatiguée, ce qui m'arrive très très souvent. Surtout quand je filmais genre pendant mes stages et tout. Donc bon, et c'est pour qu'on me dise ça, non merci, je préfère patienter un petit peu. Et puis comme ça j'aurai le temps de préparer un peu mieux ces vidéos là. Et je brille du nez et je commence à avoir faim, j'ai pas goûté et il va être 18h donc je pense que je vais prendre un bout de pastèque. Bon, finalement pas de pastèque hein, parce qu'il restait un petit bout et tout le bout sentait genre l'alcool et tout, franchement ça m'a dégoûté. L'odeur elle était toute dégoulinante, ça dégoulinait dans le frigo. Sinon je me suis fait couler des trucs de poubelle sur la jambe, ça me dégoûte. C'est sûrement du jus de pastèque, hein, voilà. Donc du coup je sais pas ce que je vais prendre au goûter, mais voilà j'ai eu la motive donc d'emmener tous les sacs poubelles parce que j'ai mis directement la poubelle pour pas que ça pourrit. J'ai dû emmener tous les sacs qui étaient ici et tout, donc j'ai dû faire en 2 allers-retours parce que sinon ben, j'avais pas assez de mains. Sinon il fait toujours frais dehors. Mais c'est bien que ça rafraîchit un coup là, ça fait du bien, du coup je l'ai sous-vert. Comme ça, il fera un peu plus frais pour cette nuit. Mais bon du coup je sais pas trop quoi goûter. Après il faudra que je finisse de ranger ici, que je fasse la vaisselle. Et puis voili voilou quoi. Faudra aussi que je passe dans le salon la spie, la serpillière, tout ça, mais je ferai pas ça aujourd'hui. Je ferai plutôt ça demain. S'il fait beau en plus, ce sera peut-être mieux pour sécher, parce que là, pas très chaud quoi. Je sais pas quoi manger du coup.
voilà mon goûter, un demi pamplemousse. Et ça, c'est des petits gâteaux que ma maman avait fait pour la brocante. Et du coup, elle nous avait laissé. Donc voilà, c'est très très bon. Donc je vais manger ça pour mon petit goûter et finir le film. Il me reste plus que 5 minutes. En fait, il me restait pas du tout 5 minutes vu qu'il y a le générique. Donc du coup, je vais me regarder le vlog de Je ne suis pas jolie pour savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille. J'ai trop hâte. Mais en fait, elle vient de nous dire, Léa, que ce sera sur sa chaîne principale, la vidéo où on saura si c'est un garçon. Je suis déçue. Je pensais que c'était là, moi. J'ai trop envie de savoir. Mais en tout cas, je suis à peine au début du vlog. Mais je trouve ce genre de fête trop chou. Justement, j'avais vu Kylie Jenner. Il y a genre même pas une semaine qui avait fait ça. Enfin, pour une de ses potes, ils avaient fait une fête comme ça, mais genre version États-Unis, donc version XXL, c'est pas la même chose qu'en France. Je trouve ça tellement chou. Bref, je retourne au vlog et à mon petit goûter. Bon, il s'était arrêté de pleuvoir et là, c'est reparti et il pleut plus que bien. Donc voilà, j'ai encore pas mal de petites choses à ranger, surtout que dans mes sacs, genre dans chaque sac, chaque sac, j'ai genre des paquets de mouchoirs, donc là j'en ai genre je ne sais pas combien, enfin bref, il y a plein de trucs, des baumes à lèvres, des huiles essentielles, des rouges à lèvres, des stylos, enfin bref, masse de choses. Bon, il reste plus grand chose cette fois-ci sur le lit, mais j'ai retrouvé, peut-être je vous avais déjà montré, j'avais commandé ça en fait, c'est pour mettre mon appareil photo, donc en gros, mon appareil photo est comme ceci. Et je peux rajouter cette chose dessous où je peux mettre en fait, soit je peux rajouter deux batteries, ben je vais vous montrer. En gros, soit je mets ça et je mets une batterie de chaque côté. Et j'ai également, je savais pas ça par contre, donc ça c'est vraiment trop cool. Je peux également changer et mettre ça et mettre des piles. Et ça c'est trop bien parce que du coup vous n'êtes pas obligé d'acheter 50 batteries. Donc moi j'ai déjà 3 batteries, c'est déjà pas mal. Et donc vous pouvez mettre ça et mettre des piles, donc 4 piles. Donc je trouve ça trop cool plutôt que d'acheter... obligé des batteries, vous pouvez toujours avoir 4 piles dans votre sac et avoir toujours de la batterie ou même prendre des piles rechargeables. Donc là pour l'instant mes batteries, j'en ai deux qui sont en train de charger et il y en a une qui a disparu. Il me manque une batterie, je sais pas du tout où elle est, faut que je la retrouve. Mais du coup en fait quand vous mettez ça sur votre appareil photo, donc vous voyez il est comme ça, je vais le rajouter, je vais vous montrer, il est beaucoup plus gros du coup avec le truc. Donc en gros ça rajoute ça en dessous et vous pouvez l'allumer ou l'éteindre, le truc en dessous c'est trop bien. Et même si vous voulez le tenir l'appareil photo de l'autre côté, c'est hyper pratique, ça fait... Je peux la gripper quoi. Et il y a le bouton, je pense c'est pour prendre en photo là aussi. Du coup il y a des petits raccourcis de bouton ici pour quand vous êtes de ce côté-là, je trouve ça trop cool. Bon après je prends pas beaucoup de photos déjà et pas trop de ce côté-là. Mais c'est trop bien, donc j'ai hâte de finir de charger les piles pour voir si ça marche bien. Bon, j'étais en train d'essayer des habits que j'avais mis de côté. Genre une salopette de chez Boohoo et tout. Elle me va... Ça va, voilà, je l'ai essayé avec mon short donc c'était à peine serré. Mais si je reprends des fesses au sport, ça risque d'être trop compliqué si je reprends des cuisses au sport aussi. Donc bon, voilà. Dans la chambre, il reste que quelques trucs sur le lit. Ça va. Dont mon ancienne batterie de MacBook. Il faut que je l'emmène genre à Carrefour, je crois qu'il y a un truc qui peut récupérer les grosses batteries. Enfin les grosses batteries je suis pas sûre. Mon copain m'a dit qu'il y avait les piles et tout. Pareil à mon école il y a un truc comme ça, mais les grosses batteries comme ça je suis pas sûre moi. Donc voilà, sinon j'ai des déos aussi qui traînaient dans des sacs. D'ailleurs je pense qu'il y en a au moins un qui est vide. Nous avons aussi le petit livre de Léa Chouf que je vais ranger. Donc voilà, là je vais ranger un peu le salon en attendant que mon copain arrive. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Pour l'instant, j'ai pas si faim que ça. Du coup, il nous reste de la salade parce que je pensais la manger hier soir. Mais du coup, on en mange pizza. Donc du coup, on va pas manger ça. Donc, aïe, le petit orteil. Donc du coup, je sais pas encore ce qu'on va manger. On va voir, on va voir. Mais en tout cas, je vous laisse pour ce vlog. Je vous fais de très gros bisous. Et puis, je vous dis à demain.